Donc le mur du club a l'avantage d'avoir, comme vous pouvez le voir, des cibles. Hein, vous pouvez donc les utiliser. Mais une des premières règles lorsque vous jouez au mur, c'est de ne pas chercher à taper fort. Au contraire, donnez-vous du temps pour avoir le temps justement de vous organiser, d'avoir le temps de bouger, de bien vous échauffer. Hein. Et vous pouvez vous entraîner sur les coups du fond court, le coup droit, le revers et le smash.